On va parler de surf tandem avec vous, Caroline, puisqu'il y a quelques semaines, Hélène nous avait rencontrés et on avait filmé cette discipline très spectaculaire. On va voir quelques images. Vous la pratiquez avec Loïc, c'est ça? Voilà, Loïc Caillé. Loïc Caillé, ouais, qui est vendéen également. Comment, voilà. Quand est-ce que vous êtes mis à cette nouvelle discipline? Ça va faire 5 ans maintenant. 5 ans? Voilà. Donc, on va voir les images qui sont assez spectaculaires de ces portées, en fait. C'est un peu le principe du patinage artistique pour faire. Voilà, c'est le patinage artistique, ouais, du surf. Ouais. Donc, Alors là, on voit votre entraînement à terre. Est indispensable, hein, j'imagine, avant de, pour répéter les figures. C'est ce que vous préférez, les figures portées comme ça, ou il y a des choses plus compliquées ou plus fun, entre guillemets? Nous, en fait, on est tous les deux surfeurs, on surfe donc chacun de notre côté, donc on est beaucoup plus à l'aise dans la partie surf, parce qu'en surf tandem, on est noté sur le surf et aussi sur les figures qu'on réalise. Donc nous, c'est vrai qu'en partie surf, on est meilleur. Les figures, bon, ouais, il faut les travailler, ouais, et du coup, on c'est plus dur pour qui? Pour lui ou pour vous, là, en l'occurrence, quand on voit les images? On partage. Lui, il me porte, mais moi, il faut que je sois gainée, que j'essaye que ce soit à peu près joli. Ouais. Et voilà, par contre, c'est lui, quand je suis debout sur ses épaules, après, c'est lui qui surfe, quoi. Il fait tout seul. Un tout petit peu d'équilibre, quand même. Voilà, moi, il me tient bien, donc il n'y a pas de souci.